Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire ce tirage du jour et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et dans de belles énergies positives. Alors on va commencer les énergies du jour avec toujours le même oracle. On va voir les énergies qui vont nous accompagner aujourd'hui. Je mélange un petit peu. Oula ! Alors, le cœur vient de se retourner. Donc aujourd'hui, c'est l'amour. On nous parle d'amour, de passion, mais aussi de sentiments qui se mettent en place. En tout cas, aujourd'hui, vous ferez les choses avec le cœur et vous allez être très généreux dans la générosité et dans le partage. Et il y a de l'amour dans l'air pour certains. Donc peut-être un nouvel amour ou en tout cas un renforcement des sentiments. Alors, je coupe. Nous avons l'anneau et le cercueil. Donc ce que je ressens aujourd'hui, c'est une transformation. Sur le plan sentimental, pour certains, on me parle d'un engagement qui vous permet de tourner une page. Pour certains, on me dit que vous allez pouvoir faire le deuil de certaines choses grâce à une relation. Une relation va vous ancrer et va vous permettre d'avancer. Ça peut être également une relation par rapport à une passion que vous avez, à un projet. En tout cas, il y a le lien que vous faites avec cette personne ou ce projet qui vous permet de tourner une page. Alors, on va piocher trois cartes pour commencer. Et ensuite, on va prendre d'autres cartes. Donc, celle-ci. Hop. Et celle-ci. Voilà. Alors, nous avons la faux, la carte de la lune. Et la carte des oiseaux. Donc j'ai le sentiment pour certains qu'aujourd'hui vous allez pouvoir récolter tous les fruits de votre travail. Vous allez pouvoir avancer en récoltant chaque expérience, chaque chose que vous vivez. Et c'est comme si vous récoltiez justement les fruits de votre travail. On voit aujourd'hui que vous allez vous affirmer, vous allez décider de prendre des décisions, de trancher. Et c'est aussi les sentiments, les ressentis que vous allez avoir qui vont vous permettre de prendre cette décision. Pour certains, on me dit que vous tournez la page, vous avancez et c'est votre intuition qui vous guide dans vos prises de décision. Ce sera une journée où dans votre intuition, dans vos ressentis, vous allez pouvoir recevoir des messages comme chaque jour, mais aujourd'hui vous êtes ouvert à vos ressentis, aux messages que l'on vous passe à travers votre intuition. Et il y a également des communications qui vont vraiment pouvoir faire éveiller une intuition que vous avez, à l'intérieur de vous. Vous allez dire quelque chose, vous allez ressentir une intuition très forte par rapport à des communications, des échanges que vous allez avoir. En tout cas, c'est une journée où vous pouvez échanger et grâce à la communication que vous allez avoir, cela va vous permettre de couper certaines choses, en tout cas d'avancer. Et la carte au centre, c'est la carte la plus importante. Donc c'est vraiment votre intuition qui va vous guider. C'est aussi une journée où vous allez être sensible à tout ce qui est autour de vous, à pouvoir ressentir les émotions que l'on vous passe, surtout à travers une communication. On me parle pour certains d'une communication intuitive, c'est-à-dire que vous allez communiquer quelque chose qui va vraiment faire éveiller en vous plein de ressentis et plein d'intuitions. Donc voilà les énergies que nous avons pour ce jour. Alors, on va prendre une carte pour l'amour, une pour le travail et une pour le bien-être. Voilà. Et aujourd'hui, pour l'amour, on va en prendre deux. Je ne sais pas pourquoi, mais on va en prendre deux. Alors, nous avons le lys et la carte du nuage. Donc, pour certains, on me dit que vous avez la possibilité d'officialiser une relation. Vous avez envie de mettre les choses à plat, de mettre un peu plus d'éclaircie dans une relation. En tout cas, ici, c'est une concrétisation. Avec le lys, on passe à une nouvelle expérience. On officialise une relation et les choses vont être plus... Vous allez avoir ce ressenti, ce besoin de clarifier des choses qui peuvent être confuses. En tout cas, on voit que cette officialisation vous permet de clarifier certaines choses qui ont pu être confuses ou manquer d'éclaircie. Donc pour le plan amoureux, voilà les énergies que nous avons. Pour le travail, il s'agit ici de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, pour certains, on me parle également d'une formation, d'un enrichissement de savoir. En tout cas, vous allez vraiment plonger dans beaucoup de nouvelles connaissances. Vous allez acquérir de nouvelles choses sur le plan professionnel ou par rapport à des projets. Il s'agit ici de remplir de nouvelles choses, d'ajouter de nouvelles compétences que vous avez déjà et de nouvelles expériences qui vont enrichir votre vie professionnelle. Aujourd'hui, vous avez envie de concrétiser de nouvelles choses, d'écrire une nouvelle histoire et sur le plan du travail, d'avoir de nouvelles connaissances. C'est vraiment cette recherche importante pour vous.
Et pour le bien-être, nous avons la croix. Alors, on me parle de foi ici, on me parle de spiritualité. Vous avez besoin d'avoir une foi importante, et aujourd'hui d'autant plus. Votre foi, votre manière d'interpréter la vie et de voir les choses, vos croyances, vont vous guider pour chaque étape que vous avez à traverser. Et aujourd'hui, sur le plan du bien-être, sur le plan spirituel, vous avez envie d'éclaircir certaines choses. Et c'est mon chat qui miaule. Vous avez envie vraiment de vous connecter à votre spiritualité. Donc aujourd'hui, c'est toutes vos croyances qui vont vous guider pour tourner une nouvelle page et pour écrire une nouvelle histoire. Pour certains, on me dit que vous avez besoin d'échanger sur le plan spirituel aussi pour vous sentir bien. Eh bien, c'est ces échanges, cette interaction que vous avez avec peut-être des personnes que vous connaissez, mais en tout cas un besoin d'écrire certaines choses, pour certains d'écrire certaines choses et de laisser parler vos croyances. Donc voilà ces belles énergies que nous avons aujourd'hui. Alors, on va compléter ce tirage avec une carte du tarot pour avoir une énergie sur le conseil que je peux vous apporter. Donc je mélange, et si vous entendez, c'est ma petite chippie qui miaule, donc elle est trop mignonne, elle veut être présente aussi. Alors, on va couper, et on prend celle-ci. Alors, nous avons le 3 de denier. Alors, voici la carte qui est ressortie. Le 3 de denier, c'est vraiment une énergie où on collabore, on est dans un échange, on est dans le partage. Et aujourd'hui, vous avez envie de transmettre votre savoir, vous avez envie de vous projeter avec peut-être des personnes que vous connaissez, mais de vous projeter dans un projet, de construire des choses. En tout cas, vous êtes dans une énergie où vous construisez vos projets. Vous avez cette envie de partager, vous avez aussi envie de collaborer par rapport à ce que vous avez appris. Et c'est un conseil que l'on vous donne aussi avec cette carte, c'est de pouvoir vous projeter avec plusieurs personnes, de partager, d'échanger sur des projets que vous avez pour construire vraiment vos projets. Il s'agit ici d'une collaboration qui se met en place pour être plus ancré. En tout cas, on est relié à la série des deniers qui va vous ancrer, qui va vous stabiliser. Donc c'est cette énergie que l'on vous transmet. Alors, on découvre avec les anges gardiens le message qui ressort pour ce jour. On va voir quel est le message du jour. Oups ! Alors, on a plusieurs cartes qui sont ressorties. Donc, je vais prendre celle que j'ai vue en premier, qui est la reconnaissance publique. Alors, on voit ce jeune enfant ici qui tend un drapeau, qui tient un drapeau dans les mains. Et on vous dit « Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. » Donc, ouvrez-vous à toutes les nouvelles choses qui se présentent à vous et ça y est, vous avez atteint votre but, vous avez la reconnaissance à l'intérieur de vous et vous vous dites, voilà, j'ai atteint mes buts, je peux avancer, tout se déroule comme prévu et chaque chose se met en place en temps voulu. Vraiment, chaque idée que vous avez est en train de se conceptualiser et de se concrétiser. On découvre l'énergie amoureuse maintenant avec le tarot romantique. On va voir, oups, alors toutes les cartes tombent maintenant. Aujourd'hui, toutes les cartes ont envie de tomber. Alors, quelle est l'énergie amoureuse du jour ? Alors, c'est celle-ci qui m'interpelle. Donc, on prend celle-ci. Et nous avons ici, voici la carte, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, donc aujourd'hui c'est votre chance, c'est votre destin qui est en train de tourner. Et c'est comme si la roue du temps était en train de se mettre en place. Chaque moment de votre vie est un cycle qui se met en place. Et aujourd'hui on atteint un cycle. Avec la roue de fortune, on est sur le 10, donc on est vraiment sur un nouveau cycle. Quelque chose est en train de changer dans votre vie et vous êtes à un moment de votre vie justement où la chance est en train d'arriver pour vous. Donc sur le plan amoureux, de nouvelles opportunités, une chance se présente à vous et c'est le destin qui vous met sur la route d'une personne. En tout cas, vous allez pouvoir conceptualiser quelque chose aujourd'hui. Alors, on va découvrir maintenant le message de l'amour aujourd'hui. Ah, je viens de voir que cette bougie n'était pas allumée.
Donc normalement, je n'oublie jamais, mais peut-être, je ne sais pas si elle s'est éteinte ou pas. Je ne pense pas. Alors, on va voir le message amoureux pour vous. Oups, et bien voilà, aujourd'hui, toutes les cartes tombent. Donc, c'est celui-ci. Vous pouvez aimer sans crainte, les amis. Vous pouvez donner de l'amour sans avoir peur, sans être effrayé. Et on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée où vous pouvez donner cet amour vraiment sans avoir peur, sans être dans l'attente. Vous pouvez transmettre cet amour comme chaque jour, mais aujourd'hui d'autant plus. C'est un très beau message que nous avons aujourd'hui. J'espère vraiment que ce tirage vous a apporté des réponses, les amis, qui vous a éclairé sur votre chemin. Je vous fais de gros gros bisous. Une belle journée lumineuse à vous, remplie de bonheur et d'amour. Et je vous dis un immense merci.